Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y aura deux vidéos. Alors, soit je les fais en partagé, soit je les fais en groupé. Je verrai bien. Toujours est-il que j'étais à ma dépôt et ABM. Et ma dépôt, j'ai perdu mon petit caisse. Je ne l'ai pas retrouvé chez moi. J'ai même dû aller repartir sur le parking pour bien fouiller. C'est bon. Donc, je suis désolée, je n'aurai pas les prix à vous donner. Alors, j'ai pris des petits pains au dog. C'est très bien pour déjeuner le matin. Parce que bon, après, j'ai dans mon frigo des saucisses végétales. Pourquoi pas en mettre? Mais j'ai pris ça, j'ai ça, c'est une idée de petit déjeuner ou de déjeuner. Voilà. J'ai pris des mouchoirs, les mêmes que j'aime bien. Les Nikki, les Fender. Ça, c'est très bien, ils vont bien, ils sont solides et c'est fait son job. Ça fait son job. J'ai pris un masque pour les cheveux. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la marque Beep Fritz, Hermès Plus Cap, Antioxydant et Bounce. Je suis abrutie avec le. Donc, c'est une charlotte avec des soins pour les cheveux. Bon. Désolée, j'ai pas pris. Hein, je vous avance. J'ai pris des petits jus en bouteille, jus d'orange. Je ne dis pas la marque parce que flemme. Et plus important, c'est que je dis ce que j'ai acheté. Et du coup, j'ai pris 4 petits jus en petite bouteille de 33 centilitres, ou peut-être 20, 20 centilitres par 4. J'ai pris un pantalon pour mettre avec le pyjama, mon rapport, j'ai que le haut et le bas, il aurait été beaucoup trop grand. Donc, du coup, j'ai demandé à maman qu'elle retrouve le bas du pantalon, du pyjama, mon rapport. Il est blanc et gris, non, et rouge, et j'ai pas le pantalon. Donc, du coup, j'ai trouvé un pantalon, voilà, de jogging, il fera l'affaire. Bon, c'est du XL, non, de XL, pardon, la marque Les Cooper. Et le bas, c'est 89,90€. Et j'ai eu beaucoup moins cher, hein. C'était du Magic Dépôt. Voilà. Donc du coup, j'ai intérêt à pas le resserrer parce que sinon, je vais le perdre, style. Et il y a des poches sur les côtés. Je ne sais pas. Voilà. On avait le grand. Voilà. C'est un pantalon polaire. On dirait qu'il est polaire. Oh ouais, il est polaire, ça se voit. Je vais avoir chaud, chaud. J'ai pris des petites pommes de jus de fruits, pommes, voilà, par 6. Alors, j'ai pris, oh, il est caché sur le poulet. Enfin, non, c'est le vaisselle. Donc, j'ai pris des stickers par 5 x 50 grammes. Je peux mettre dans les déchets que la vaisselle a pris. Bingo, Rambo, bingo. Ça va sortir bon le produit vaisselle. J'ai pris des sneakers creamy peanut butter. Et ça sent bon, liquide vaisselle. 4 fois de sneakers. Voilà. C'est trop trop bon celui-là. Tiens, lance-le. Ça sent bon. Oh, mamma mia. Il est où le stylo? Alors je fais attention parce que je sais pas comment le prendre. Bon, bah, j'ai pu nettoyer mon pouce-pouce. On dit GM 203. Quand c'est pas le ticket, c'est le pouce-pouce qui coule. Et allez. Donc, l'arbre vert, il sent super bon. Exotique Mix. C'est comment ça s'appelle? Allez, qui est celle exotique? Noix de coco. Ah non. Autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de produits qui est tombé. Donc, voilà. Hein, voilà. Bah. On dit jamais 3, hein. Qu'est-ce qui va nous arriver après? Tu peux le mettre en sous l'eau, je vais me baisser après. Merci beaucoup. Ah, voilà. Attends, je vais prendre un sopana. Parce que là, c'est un petit peu la merde. Un sopana. Ah, il est sur le petit tabouret, mon cœur. Et parce que j'ai mon assistant heureusement qu'il est là, parce que je suis perdue. Je suis contrariée, je pars de mon ticket. Merci. Ça va sentir bon, hein. Ah.
C'est une purée. On dirait du pilé commodo, c'est un truc bon. Alors, j'ai pris un désodorisant. Ouais. Mon coco monoi, HPHPH, comme on dit dans le store, hein, je sais pas. Je sais pas si tu le dis. Glide. Donc évidemment, j'ai pris la recharge et j'ai pris le spray avec une capsule. Je sais plus du tout les prix, hein, désolée. Ça ne l'a pas pris, ça va. Il y a eu que deux produits qui ont été pris avec du arbre vert. J'ai pris un lasagne végétale. Il est à 2 euros, ça je me suis fait. Est-ce que j'en prends deux? Mais je me suis dit déjà 2 euros pour un plat, c'est déjà pas mal. Donc du coup, j'en ai pris qu'un. Si je me donnais sur bon, je n'ai pas envie d'être sur un 100%. Ça, je pense qu'il doit être 2 euros. Aux petits légumes et aux protéines de poids. Voilà. Voilà. C'est très bien, ça fera son job. J'ai pris un paquet de pâtes. Comme ça. Des pâtes, des coquillettes aux œufs. Voilà. J'ai pris des sardines. Je pense qu'elle a été prise. Ouais. Des sardines à l'huile d'olive sans arête. Ah, ça glisse. Voilà. Tout va très bien. Ça sent bon, mais fais gaffe. Bon, bah après, c'est pas grave, ça arrive. Après, j'ai pris. Ah, c'est. Always Days Flexi Steel Film. Donc, des poutages aussi multi-style. Une boîte. Ils vont bien ceux-là. Ils sont très très fins par contre. Il a pris une bouteille de coca. Et il a aussi pris aussi un pack de canettes. Du coca cerise, 24 canettes pour 15 euros. 13,95, pardon. Bon, ça c'est pour mon chéri. Parce que moi je ne bois pas de gazon. J'ai pris un jus d'orange. Il n'y a pas eu de l'arbre vert sur ça, donc ça va. Un jus d'orange, sauf qu'on a ajouté teneur en fruits, riche en vitamines. Voilà, c'est la même marque que les petites bouteilles que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Il est très très bon, il fait son jaune. Et Magic Dépôt, il me reste un peu de vous montrer. Pas deux, trois. J'ai pris un citronnade juicy, Volvic. Au minéral naturel. Ouais. Un petit peu de sucre. Ça fait quoi. Un litre. Après, bon, ça va, mon cabot, il est passé 3 bébés. J'ai pris du Volvic thé vert bio à fusion. Par 6. Ça, j'aime bien d'avoir en réserve. Et j'ai pris du lait blanc. De l'évian pour faire les cafés, etc. Voilà. Et mon chéri s'est pris les 24 canettes pour 13 euros des poussières au coca cerise. Voilà. On va passer à la suite. Une pierre de plus, hein. Voilà. Je vais tout ranger vite fait. Ah bah dis donc, ça sent bon chez moi, ça sent vraiment coco. Ça change. D'habitude, je mets de l'encens, une petite bouillie là, ou bien comme ça. Ah, ça change, ça sent bon. Ouais. Alors, je range vite fait parce qu'après, ça va être le bordel. Et on va passer au retour de course à BM. Et là, j'ai mon ticket de caisse. Ça, tu peux ranger mon cœur, s'il te plaît. Tu le mets sur mon balcon si tu peux. Merci. Mais bête. Non, ça c'est. C'est mon cabas qui recommence à partir à part cacahuète. Donc, et là maintenant, on passe à BM. Donc là, j'ai mon ticket de caisse. D'où Jésus. Je m'ai perdu. Alors. BM, pardon. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. Chicho. Des Cheetos pizza. Saveur pizza. Je ne sais pas. Oh non, ça fait marre comme ça.
Mais c'est pas grave français, je peux pas vous dire. Ah si, snack de maïs soufflé, saveur pizza. Ah bon, tiens donc. Ok. On voit bien les ingrédients, même. Voilà. Moi, c'est malade d'être bon. J'ai prêté mon chat à Mario. J'allais que pour ça avec une guirlande de Halloween. Parce que la mienne, elle fait vraiment la gueule. Celle que j'ai accrochée. Je l'ai pas mal rafistolée, recollée. Elle fait que de se décoller. La logique des choses. Et franchement, elle fait la gueule. Elle est très fragile et il y a pas mal de choses vraies qui se font arracher tout ça. Donc, j'en ai retrouvé une, je le ferai après. Donc, du coup, j'ai trouvé des petits mouchoirs Luigi. Et toute la compagnie. J'ai trouvé des. des assiettes holographiques Halloween. Et ça, je vais mettre en décoration. Je mettrai du scotch derrière. Et c'est super beau. Ah ouais. Ouais, et holographique. Ah oui, j'étais super heureuse. Mais bon, mon chéri m'a freiné parce que sinon j'allais tout acheter le magasin. Et après, on devait repasser à ma GD. Pourquoi ? Pour de l'alimentation pour mes chats, parce que ma mère, elle a mal donné un petit peu du KitKat, tout ça. Je sais pas, KitKat, avec leur eau, leur croquettes, leur friandises et leur lait, de temps en temps, j'ai mal donné du lait stérilisé. Mais là, j'ai été à ma GD, mais j'ai pas trouvé du manger pour chat. Alors du coup, je l'ai pas pris. Et j'ai trouvé. Ça, ABM. J'ai trouvé des petits ballons. Trop beaux. Holographiques. Regardez comme c'est beau. Là, j'ai préféré des petits fantômes. Oh, c'est beau tout là. Tadam. Et je ferai justement une miniature avec les trucs holographiques. J'ai trouvé ça. Ça m'a interpellé. Mix confiserie. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant comme tout. Et en vrai, je peux faire de la miniature avec ça, hein. Ça fait un masque. Je verrai bien. J'ai trouvé mon plateau que j'aime bien beaucoup, trop de la marquette. Il est holographique avec évidemment. Par contre, il y a des chances que. Donc j'ai le même chez moi, hein. Mais il y a des chances qui se cassent très vite et qui s'abîment parce que c'est du plastoc. Voilà, mais il est trop beau. Il fallait que je le reprends. Mais. J'ai craqué, je vous avoue. C'est faible. Donc là, à ma porte, j'ai trouvé quoi ? Une Halloween guirlande à rideaux lumineux, fonction sur pile. Merde, quelle pile ? J'en ai des piles, mais je sais pas c'est lesquelles. Bref, je vous ferai voir après. Donc j'ai pris celle-là parce que j'aime bien avoir un petit fond de lumière. Je sais pas, je verrai bien ce que c'est. Alors, deux piles du type AA, R6. Je sais pas si j'ai. C'est pas grave. Je dois voir ça, mais j'en suis pas sûre. Donc, Mario, mais je vais la garder parce qu'il n'y a pas de que je vais ouvrir. Enfin, je vais vous montrer chaque produit. Et du coup, j'avais hâte de les tester. Est-ce que. Oui ! Oh là là là, je suis craquée. Il y a même de la décoration sur le mouchoir. Donc il y a Mario, Luigi, Toad, Luigi, Mario, Peach. Et donc du coup ça je peux garder en réserve parce que j'ai aussi un paquet de Barbie que je garde en réserve. Et franchement ça tue. Mon chéri, vous voulez être fixe? Ouais. Ah, Jésus-Marie-Joseph. Bon, qui dit holographique dit éponge. Même jusqu'à holographique j'achète. C'est trop beau. Oh, je la prends parce que le mien a fait la gueule. Donc, du coup, je les ai frais, j'ai craqué. 4 éponges. J'ai pris cela. Des tickets. Un burger. Voilà. Tout simplement. Cheetos hamburger. Snack de maïs soufflé avec saveur hamburger. Moi, je suis réglée avec l'eau, je vois plus.
Avec le flash, j'ai l'impression d'avoir des petits points blancs devant mes yeux comme lui. Voilà, voilà, on a fait le tour. Maintenant que j'ai mon ticket de caisse BM, je vais vous dire les prix. Alors, éponge grattante 1€, rideau 50 LED orange 4,99€, Mario Bros Pocket de 6, 2 fois 1,89€, décoration fantôme chauve-souris 2 fois 2,99€, biscuit apéritif hamburger, donc ça c'est les Cheetos, EV, moins 29,25€, donc c'était 2,29€. Et une remise de 30 centimes, c'est très bien. À 100 cartons x 15, 2,49€. Dessous de plat Halloween, 3,49€. Barre chocolatée biscuit, 1,99€. Bon masque princesse, 5,99€. Moins 50 centimes. Chips string pizza, 2,29€. Moins 29 centimes. Voilà. Vous savez quoi, on va continuer la vidéo, on va pas se quitter. Ça, on va les ouvrir. D'abord, je vais manger mon nez parce que ça me saoule. Et mon maquillage, c'est tout cassé. C'est pas... J'ai plus de voix dans une pipe. Alors, je vais attendre comme ça. 250 grammes. Et je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça m'a intrigué. Donc, ça y est, on va l'ouvrir. On est déjà les 203, alors j'ai parlé de mon ticket de caisse, Magie Dépôt. Ma fermeture de mon porte-monnaie, elle est niquée. Donc j'ai dû ouvrir mon porte-monnaie avec un cutter. Merci au vendeur de Magie Dépôt, c'est mon chéri qui l'a ouvert. Et de ça, mon liquide de sel a coulé. Parfois je me demande si j'ai pas un petit peu la poisse. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, vous avez une tutute au citron, je pense, parce que c'est jaune. Ah, vous avez des maouam, un petit maouam blox à la fraise, mais ça, je pense qu'il y a la gélatine. Des petits bonbons. Ouais, des nounours. Gélatine, ouais. Il y a de la gélatine dedans, c'est des petits nounours, ouais, sympathiques, aux fruits. Oh la chance, des arrivaux. J'ai acheté ça, mais il y a pratiquement la machine à gel de porc. Des petits arrivaux, un mix. Bon, bah, je pense qu'il y a des souris qui vont passer. Oh la vache. Et il y a beaucoup de trucs à l'égard. Oh la poudre, tu t'en souviens? Oh la vache. La poudre à la fraise. Oh, elle est trop marrante. Après, tiens, il y a des sucettes. Oh, coca, en plus. La sous-marque. Regardez. C'est trop mignon. Il y a beaucoup de trucs en fait dedans. Une sucette, vous savez, comme les goûts de collier du bijou pour les bonbons. Ouais, trop bien. Et je découvre avec vous après de vrai. Oh, c'est quoi ça, mon cœur? C'est un bonbon dur. Un peu comme des. Oh, c'est une odeur de bonbons, mais je sais pas c'est quoi. Bon, des bonbons durs, hein. Écoutez. Après, il y a quoi? Ouais, des colliers, trop bien! Des colliers, ou c'est pas? Et la génération qui a connu ça, mettez-moi en commentaire si vous avez reconnu des colliers. Moi tous les bonbons que vous trouvez dans le clavier emoji, tout ça, vous mettez tous les bonbons que vous voulez. Alors c'est plusieurs avec une petite citrouille si vous avez reconnu. Soyons fous. Tous les bonbons. Allez. Oh oh, oh. Des bonbons qui fait. Allez, ça merde. Ça c'est le bonbon. Si toi-même t'as reconnu. C'est un bonbon qui croustille dans. Qui pépite dans la bouche. Ah, il y a une sucette! Trop bien! Oh, j'aime trop ça, c'est trop délire. Après, il y a quoi? Les gros trucs. Oh! La guimauve.
étonnée. Ah, ah c'est la gélatine. Voilà, 50 grammes de mauve. Après, il y a quoi? Oh, trop swag. De la langue qui pique. Et ça, je pense que c'est Alex, la marque Fini. Oh, mais je vois rien, je te rate. Attends. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Réfrigéré, sucre, amidon, graisse végétale, palme. Ah bah dis donc, c'est bien ça. C'est, y a pas de gélatine. Donc à mon avis, si je comprends bien, c'est... Attends, que je lis bien. Alors, consommation lignée, sucre sur du glucose, acide. Alors, acide acidifiant, graisse végétale, palme. Ah, effectivement, eh ben, la martinis, il n'y a pas de gélatine dedans, si je me trompe pas. En tout cas, pour ce produit-là. Dans les produits, c'est... Bah, c'est des BN. Voilà, la base. Voilà un petit peu pour ce produit-là. C'est des trop sympas. Bon, un beau petit cadeau pour les gosses. Bien.